everything changes. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fun qui entre pour la vidéo sur du Minecraft. On se retrouve sur le serveur Fantabob World dans un petit fight cube. Voilà. Donc on se retrouve sur un fight cube. Je vais essayer de me tenir à un rythme de vidéo qui est de... le samedi... Non, le dimanche, une vidéo. Le mercredi, une vidéo. Et puis voilà, je pense que ça peut être bien. Après, il faut voir si ça marche. Si ça marche bien, je continue à le faire. Si ça marche pas, tant pis. Enfin, tant pis. Je retrouverai un autre truc qui puisse marcher. Alors le Face Cube, c'est quoi en gros? On a un totem ennemi. Le totem, on doit le détruire. Hop. On va détruire le totem. Là, je vais aller chercher du gems. On va aller chercher du gems. Donc F3. Donc oui, je suis sur le serveur Fantabob World. Là où je fais mes Skywars et tout ça, j'aime bien ce serveur parce que c'est assez fun, il n'y a pas de prise de tête, enfin bref, pas de trucs comme ça. Je prends déjà du charbon et du fer pour pouvoir faire ma petite pioche en fer. Donc là, dans le mode du jeu, dès qu'on craft une pioche, on est déjà, elle est déjà enchantée Fiancée 2, je crois, ou Fiancée 3. Quand on fait une armure, l'armure est enchantée P2. Donc du coup là on va aller chercher du diamant pour faire masse de kill. En gros faut détruire le totem adverse, et s'il y a égalité à la fin du temps, et c'est... Ah voilà, regardez, vous voyez, il y a déjà du diamant, j'ai la couche 20. Donc en gros, s'il y a égalité, c'est l'équipe qui aura fait le plus de kills qui gagne. Donc du coup ça peut se faire. On va faire hop. Moi je suis équipe rouge, je crois, je suis même pas sûr, je sais rien. Je crois que je suis équipe rouge. Je prends juste vite fait de la cobble et du charbon. Alors nous, pour spot de jeu, là nous, moi j'aime bien les PVP, je vais dans leur spawn, enfin dans leur spawn, je vais vers leur totem. Là, déjà une, j'essaie de le casser. Et puis ouais, ça peut être pas mal de... Et en fait à chaque fois ils reviennent, donc en gros ça me fait plus de kills à chaque fois. Hop. Allez, on redescend. Voilà, c'est minage au petit, donc ça va pas être très intéressant. Voilà, regardez, je suis arrivé à la couche 12, je vais aller à la couche 10. Voilà, couche 10. Et là maintenant on mine comme des porcs. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Sinon, je suis vraiment désolé. Ouais, on a du speed 4 aussi, je crois que c'est ça. Non, speed 2 à l'infini. Ouais, c'est... Moi j'aime bien ce mode de jeu parce que il y a vraiment... Il y a la partie minage que j'aime bien, et après il y a la partie PVP avec un objectif très précis. C'est pas comme dans un Hunger Game où il faut que tu sois le dernier à survivre, enfin défoncer tout le monde, enfin bref. Voilà. Là c'est normal, si les minerais vous envoyez autant de diamants, c'est parce que la génération est faite pour qu'il y ait beaucoup de diamants à cette couche. Donc voilà, si vous y jouez, allez directement à cette couche, à la couche 10. C'est là où vous trouverez le plus de diamants. Et après vous minez en optimisé. Bon, je vais pas faire trop le kéké parce que... Ah bah, on va la réapparaître. D'accord. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait. J'ai fait une courte vidéo avant-hier, je crois que c'est ça. Alors je pense que c'était avant-hier.
puis ouais, c'était sur serveur module monde, donc j'espère qu'il y en a qui sont allés voir parce que le serveur il est vraiment très bien. Je suis à combien de diamants là? 8. C'est pas fameux fameux. Normalement à la fin du temps, normalement j'arrive à me faire un full stuff, donc je pense que ça peut le faire. Je sais pas si je couperai au montage ou un truc comme ça, le temps que je remonte. Parce que ça doit être ennuyant de regarder une vidéo comme ça. On est par là-bas, non? Début de la phase PVP, voilà, je suis en retard. Oh là là, j'ai perdu le trou là. Oui. Ok. Et pour ceux qui se demandent, juste un inventory Twix. Voilà, juste un inventory Twix pour ceux qui veulent savoir. J'ai Optifine. Je suis avec le pack de texture Matox PVP, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis ouais. Voilà. Allez, phase de PVP activée. J'espère qu'il n'y a pas un mec qui m'attend. Voilà. Allez, c'est parti. On est quel... Est-ce qu'on est bleu? Ouais, je crois qu'on est bleu. Hein. Je suis pas sûr. Je vais voir, je vais le taper pour voir si on est bleu. Faut que je passe l'autre côté. Mais je pense qu'on est bleu. Bon, je vais pas savoir si je suis... On va le taper. Et de toute façon il n'y a pas le PVP d'activer. Voilà, on peut pas frapper. Tac. Hop. C'est qui se fait taper là? Puis... Voilà. Frère, ça marche pas, c'est sur de la neige. Ouais. On s'acharne. Voilà, mais par contre il y a des bugs, les gens ils se téléportent. Oh bah très bien. Du coup, on va commencer à miner leur truc. Ouais. Team Totem Bleu attaqué. Putain, mais ils savent pas défendre un totem ça. Attendez, je vais les niquer sa race. Je vais aller chercher mon pote. Combo. Pas encore. What? Regardez, je lui donne des coups, elle les prend pas. Comme tout à l'heure sur Garry's Mod, j'avais... Wesh, voilà, enfin. Bordel. Je suis pas encore bien habitué à ma souris. J'ai du mal à tourner, comme vous pouvez le voir, j'ai du mal à tourner. Je sais pas pourquoi. Faut vérifier qu'elle arrive pas. Elle est... Putain, mais allez. Wesh, mais... Voilà, dégage. Ok, je l'ai vu à l'arrivée. Oh putain les kikoulol là, putain mais barrez-vous. Allez hop. Hop, allez c'est parti. Hop, on a des pop. F3.
Je les chope quand ils arrivent pour pas qu'ils fassent chier mon pote. Enfin, surtout elle, t'as vu. Parce que elle revient tout le temps. J'ai regardé, j'ai remarqué. Attendez, je bouge juste le micro. Voilà. J'ai remarqué qu'elle revenait tout le temps. Ah oh, putain, mais elle arrive par où elle à chaque fois. Allez hop. Mmh. 9 kills pour les bleus, 4 pour les rouges. C'est bien ça. Alors que c'est égalité, bah. 2v1. Moi oh, j'ai. Ah, allez. On va faire ça. Merci bien. Et on va passer par là. Hop. Et merci pour mes de la vitesse, c'est sympa. Et regardez comment prendre de la vie, où vous arrivez, ils sont derrière vous, vous courez, hop là, au revoir. Et là, on retourne au totem des rouges. Hey. Je vais crever. Pas plus, oui. Non, c'est bon. Hop, tu cours, tu fais, oh mince la passe. Au revoir. Oh non, putain, mais... Wesh, mais moi elle je la vois bugger, je sais pas si vous remarquez, mais moi perso je la vois bugger. Ah putain, elle a eu les pioches. On va aller défendre le totem maintenant parce qu'on est juste à côté. J'espère qu'ils ont fait de la protection parce que sinon c'était vraiment vraiment des boules de totem. Wesh, il est pas par terre là-bas. Si. Très bien. Vous voyez, il y a des, eux c'est sur une colline et nous c'est ici. Et ils ont même pas, il y a personne pour protéger, ils sont sérieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, mais ça va devenir intéressant si, et ça va devenir inintéressant si je vais rester là et que je bouge pas et qu'il y a personne qui vient. Du coup, je retourne. Je vais juste faire gaffe, je vais passer par le milieu, il y a souvent des gens qui passent par le milieu. Wesh les bleus, bien. Allez hop. Hop. Bon, j'espère juste qu'il n'y a personne. Et que je. Pour que je puisse. Mais en fait, le problème, c'est que. Aster. Hop. Oui, je sais, c'est dangereux ce que je fais, mais c'est pas grave. On va la cacher à la queue. On va y casser à la pioche. Oh, pierre. Bon, ça prend plus de temps, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Attends, je vais regarder si je vois. Il n'y a personne en run. Voilà, et c'est parti, on va casser leur totem. Quel rouge, je fais pas beaucoup de kills les rouges. C'est bizarre. Soit ils sont peu, soit ils en font pas beaucoup. Allez, voilà. Ici, il n'y a personne pour protéger. Par contre, là, s'ils cassent l'autre bloc. Voilà, c'est bon, ça s'est cassé. Faites qu'il n'y ait personne qui arrive. Ah, j'espère qu'il y a quelqu'un qui l'a défoncé là-bas par contre. Hein, parce que... Allez, voilà. Putain, ça m'énerve. Il n'y avait personne pour le... Bon, sinon j'aurais fait combien de kills? Ça dit même pas les kills qu'on a fait. Ah punaise. Bon bah c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne année. Parce que il y aura pas de vidéo avant dimanche, comme je l'ai dit. Donc je vous souhaite une bonne année. Portez-vous bien. Et puis allez, bye bye tout le monde.